parce que Guy s'est plaidé coupable aux États-Unis. Et c'est petit pays nous y est. Le fait que c'est petit pays. Et d'ailleurs, élection nous en Haïti, li financé par pays ça yo. Et c'est une erreur que Guy a fait. Comme leader à l'époque, monsieur te quitté ou utilisé pour te combattre un président élu. Et même moun qui te servi à Guy yo, qu'on a pral servi contre Guy pour humilier. Pendant que l'vin élu sénateur de la République, yo humilié, menotté, metté, passé en télévision, etc., chaîne dans ceinture, pour yo humilié, avili, alors que yo te servi à Kli, parce que yo te en face yon président élu. Attention. Ça veut dire que, m'vle nous comprendre la réalité. C'est pas parce que t'étais campé en face Guy, mais m'vle nous comprendre. Contexte yo pas même d'ailleurs 2023 pas 2004 et youn nan bagay m'so di là qui sont vérité les partisans de Jean-Charles Moïse capable prendre Jean Yovlé mais c'est vrai pendant m'a parlé là retour de Guy Philippe paniquer Jean-Charles Moïse pour qui ça ça arrivé comme ça et ben m'di nou bagay qui clair. C'est parce que Haïtien jodi a cherché un libérateur, y a cherché un sauveur. Trop bluffeur dans pays ya, trop traître, trop magouillé, trop corrompu. Donc Haïtien yo a cherché un sauveur, un libérateur. Qui est-ce qui ka vinn délivrer pays ya? Et lorsque Guy paraît dans contexte actuel là avec un discours concernant la sécurité, bon garanti la difficile pour nèg camper en face Guy pour le battre si gon élection qu'a réalisé dans pays a parce que discours Guy porté pour kounya li approprié li adapté à contexte actuel là et ça fait quelque temps nous pas joindre nèg k'a bay qualité discours ça yo pour qui ça parce que même si Guy qui parle mais attention, s'il vous plaît. Une nan raison fondamentale, en pile dirigeant politique, pas jamais oser gen même discours qui gen par rapport à insécurité ou par rapport à bandi yo. C'est parce que en pile là d'ailleurs, non seulement c'est yo qui armé ghetto yo, ça fait un. Deuxièmement, en pile nan leader sa yo, yo servi ak nèg nan ghetto yo pour yo capable faire capital politique yo. Ça vient faire yo pas ka comme si yo pa ka couper branche yo chita sou liya. Yo pa ka critiquer bandi sa yo. Ou souvent wa yo qualifier nèg exam sa yo comme si entrepreneur, agent social, agent communautaire, agent de développement et ti nèg ti jeune k'ap suivre zone. Au contraire, yo c'est des orientés, des opprimés mal orientés, etc. C'est comme ça yo qualifier yo. Qui différent pour Guy Philippe qui lui-même li gen ki parle. Mais qui parle là les différents de bandes armées dans la capitale là qui a fait kidnapping et tirer qui a violé monnaie toute bagaille ça vient mettre Guy en position de paraître supérieur par rapport à l'autre yo et grand pile leader politique qui paniquait seul contrainte Guy là pour l'instant c'est parce que après aveu le fin fait aux États-Unis pour capable diminuer peine monsieur risqué par jambe capran on poste électif encore en Haïti. Mais qu'on vle le, qu'on pas vle le. C'est vrai, contexte, époque, yo pas même. Mais Guy Philippe, comme jeune commissaire de police, que l'te Wanamet, que l'te Delma, que l'te au Cap Haïtien, monsieur te ba résultat. Monsieur te ba résultat. Cependant, planifier qu'on y a un coup d'état contre un président élu, qui fomentait, qui complotait par des étrangers, côté que dernier phase bataille là côté Guy Philippe te rassemblé troupes li au CTK voisin en République Dominicaine ça vient faire que si continue à li dans article 21 constitution Guy Philippe monsieur pas moun que n'a vann nan parce que lorsque on comploté contre pays ou yo les sa trahison si koun y a n'a parlé de n'a dénoncé un régime n'a goumen contre li et tirer bay sa yo est-ce que effectivement Guy Philippe
le sauveur d'Haïti, j'en prétends dire là, est-ce que retour de Guy Philippe, c'est pas une planification également pour le retour en force du PHTK au pouvoir? Parce que ça qui va arriver là, bon, dis-nous un bagage clair pour me finir sur ça. Même si Guy Philippe pas ta capable candidat lui-même, parce que m'dou, si y a un débat juridique qui fait par rapport à la condamnation aux États-Unis, y a un droit, etc., avancer pour dire que, bon, blanc, tout y a un droit pas d'accord, faut nous accepter parce que m'dou, nous pas jamais grand monde tête nous vrai pour Guy Philippe candidat. Et même si Guy Philippe pas capable candidat lui-même, mais monsieur y a une capacité, y a une popularité, y a une aura pour influencer quelle que soit élection qu'a organisé dans le pays. Bon, moi, reprends samedi. Même si Guy Philippe lui-même n'est pas ta capable candidat pour quel que soit poste électif, cependant, Guy Philippe gen capacité, Guy Philippe gen audace assez, monsieur gen aura assez et monsieur gen popularité assez par rapport à ça m'a vive là dans grandance pour influencer quel que soit élection dans pays. Ça veut dire qui ça? Même si Guili même gen doit pas capable candidat, mais il gen doit choisir un candidat que le marché avec. Ti moun moi yo a dit Maurice, elle pas vinn marché à moi là. On pas connaît, ça dépend. S'il remarque vision moi là, le marché là-dedans. Il ka marché à moi. Ça veut dire qui ça? Monsieur capacité li ou am dou audace monsieur tout, aura li popularité li. Monsieur capable influencer quel que soit élection. Ça dit si monsieur gen un candidat que li marché derrière, que le dit moun yo que marché derrière, bon garanti que candidat ça ka fait proie dans élection, quelle que soit élection. Et c'est là les candidats entre guillemets potentiels qui en Haïti, yo paniqué avec le retour de Guy Philippe. Ça vient faire que retour Guy Philippe là gen plusieurs aspects là-dedans. Mais un aspect pour nous considérer retour Guy Philippe capable également renforcer l'équipe du PHTK. Même si son PHTK a divisé, côté Dim Jovenel, Lys, etc., n'importe, mais c'est même racine PHTK. Les Martelly, ils ont toujours au pouvoir, juste pour moi, on n'a pas dit là. Et qui est-ce qui a dirigé? C'est Ariel Henry. Qui est-ce qui bat Ariel? C'est Martelly. Donc c'est Martelly qui est encore au pouvoir. Donc l'arrivée de Guy Philippe, capable de venir renforcer l'équipe de Michel Martelly, ou bien PHTK, ou bien Jovenel, Lys, etc., etc. Dépendamment de qui côté le souché, qui côté le branché. Est-ce que Kounia n'a continué goumen contre PHTK ou bien avec Guy Philippe n'a repris un PHTK modifié ou bien son autre forme? Il n'est que d'attendre.